L'inaudible.com. Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. On vous cherchait, vénérable vieux crabe. Ah bon ? Et pourquoi donc ? Pour la leçon particulière. Très sain crabe. Voilà, c'est ça, pour la... comme elle dit. La leçon particulière. Oui, sur la légende sacrée. La légende du machin, là. Parce que vous voyez, on n'est pas très sûr d'avoir tout compris, en fait. Ainsi, c'était un temps où l'ancien monde était aux mains d'une poignée d'esprits bornés, illimités, qui se faisaient appeler les maîtres du monde. Ah, et il a ouvert le cercueil. Je le crains, mademoiselle. Et il a trouvé le... Hélas. Gaëtan, dites à Betsabé de me faire couler un bain de Lady Gwan parfumé à la fleur de banane dans le jacuzzi olympique. Je me demande si Otto a enfin fini d'examiner ce drôle d'engin là, qui était dans la tombe à la place du corps d'Alfred Hector, truc bidule. Et surtout, j'espère qu'il a trouvé ce que c'est. Bon, c'est pas si difficile que ça en fait d'être le roi des cons. Parce que figurez-vous, ça manque pas par ici, des cons. Prêt à se laisser diriger par plus con qu'eux. Taïeji Ayo, Ocheichen da Chocha, Keiya no Mantuka, no Mayomata. Miyatsuko, Orimatsu, Kikango Koku, ou Yuruku, Suru, Taminai. Otachi yo, Tatushiko. Watashi, no Musuko, O. Watashi ni Hanashi, O. Anata no Tankyo. Onami desu ka? Shitori nobori naiego keihai no mahimeri. Natsunan neni nikachi ga. Naude tsukan tukuzen no kiyaremutsu ga. Anata. Goho ochigo o gochu tadigoreya. Togi naha urachi. Au Kukinko, Rontoni, Shigotsuga, Nanonake. Watashi wa... Watashi, no musuko, o anata ni tsutaeru koto wa dekimasen. Anata ga oshieru iitsu no muzu. Momehe ami. Osurikan, mata teete chihae odo arimasan. Kikane wo, solho tatakai jiten. No shikada. Shikayarutsu, kikamatsu.
crois que ça va pas être possible. Je veux bien être de bonne composition, hein. Je veux bien tout ce qu'on veut. Mais vos japonaiseries, là, moi, j'en ai ma claque. Alors, si ça dérange personne, j'aimerais bien qu'on continue de manière un peu plus classique. Lugubre destin, ô océan pacifique, jamais n'aurais-je cru l'attente fatidique si dure à supporter, si éprouvante encore, malgré la majesté de ce si beau décor. Le savant fou, reclus dans son laboratoire, travaille sans relâche sur l'objet dérisoire qu'Alexis Cornambouc et moi-même trouvâmes dans la tombe où le pauvre garçon rendit l'âme. Et dans ce paysage maritime à l'envi où croisent des navires de bitume remplis, je ne puis que marcher tout au long du rivage en maudissant ce jour où me vint le courage, que dis-je, la folie, puisqu'il me faut l'admettre, de devenir du monde à tout jamais le maître. Et merde, en devisant, ne prenant pas garde où mes pieds je mettais, voilà que par mégarde, j'ai marché au hasard près des rhododendrons et souillé mon soulier d'un funeste goudron. Oh, lugubre destin. Oh, océan pacifique. Être maître du monde, c'est de la crotte de bique. En direct du festival du film de Sikkim, cette ville chaise à la croquignole, vous venez donc d'entendre la célèbre tragédie en trois actes et un tombé de Jean-Paul Foutez, Goudreau ou la démence du colonel. Une œuvre majeure du patrimoine moldovalak, miraculeusement préservée des flammes lors de l'incendie de la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou en 1415. Avec nous, pour en parler ce soir, le célèbre critique gastronomique Félicien Courtemol et son caniche nain Toto. Félicien Courtemol, bonsoir. Complètement con, cette émission. En plus, je l'ai déjà entendu. Alors, revenons plutôt à nos travaux. Alors, voyons si la courbure du cylindre protoplasmique correspond ou non à l'empreinte radiale des pompes à circonvulsion. De l'autre côté... On retourne encore. Et oui. Intéressant. Oh. Intéressant. Alors, Otto, qu'est-ce qu'on a? Vous, je ne sais pas, colonel, mais moi, en dehors d'une bonne migraine... Pas grand-chose. Avez-vous enfin réussi à identifier cette curieuse machine? Ça s'en vient, tranquillement. J'étais justement en train de procéder au dernier test. Voyons voir. Avez-vous trouvé au moins à quoi ça peut bien servir? Un peu de patience, colonel, un peu de patience. J'en étais justement au moment le plus délicat de mon examen. Il faut encore que je sectionne le péristyle latéral gauche du volet du rebord inférieur. Oh, ça alors! Quoi? Ça alors! J'en reviens pas! Mais si, enfin, revenez-en et revenez-en vite, hein, expliquez-vous. J'aurais donc vécu assez longtemps pour voir ça de mes propres yeux, personnellement, personne à moi. Dans mes orbites! Quelle émotion! Bon, vous m'expliquez ou il faut que je vous envoie une convocation en trois exemplaires? Voyez-vous, colonel, cet objet n'est autre qu'une sorte de synthétiseur ombilical, réplique du légendaire Saint-Lautron, mis au point par le professeur Mathias Trugludon Saint-Éloi en 1712. Le légendaire quoi? Colonel, vous m'étonnez. Comment un homme de votre classe et de votre culture peut-il ignorer ce qu'est le Saint-Lautron? Ça suffit, professeur. Trêve d'argusie et de bilvesée. Fouette permanganate de potassium. Venez-en au fait et sans sous-titres, si possible. Bien.
Attendez, colonel, je vais vous expliquer ça au tableau. Voyez-vous, le synchrotron est une manière de chef-d'œuvre en soi. En le créant, le professeur Trugludon Saint-Éloi a, en quelque sorte, inventé le mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel? Comme je vous dis, le synchrotron est une machine tout à fait géniale qui a la particularité de fonctionner en permanence 24 heures sur 24, 365 jours par année! Et même 366 pour les années bisexuelles! Et alors? Attendez, je vous explique l'intérêt de la chose. Lorsque la moindre panne survient, le moindre incident technique, figurez-vous que le synchrotron se répare lui-même, instantanément, sans la plus infime aide extérieure. Oui, en effet, je dois admettre que c'est tout à fait ingénieux. N'est-ce pas? Certainement, certainement, mais si je puis me permettre, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il me demande à quoi ça sert. Elle se dit... À rien! Ça sert à rien du tout. Ça fonctionne, un point, c'est tout. Oui, je crois que je vous suis. Oh, pas trop près quand même. En cas de freinage brusque, on ne sait jamais. Donc, si je comprends bien, ce curieux objet que nous avons trouvé dans la tombe du présumé Alfred Hector Petit Patacon, ce truc qui se trouve présentement sur votre table de travail, c'est un synchrotron? Pas vraiment, non. Allons bon. Le principe est le même, voyez-vous. Mais alors que le synchrotron possède un système monovariable de type Lur-Postnikov, dont le schéma bloc se calcule comme un polynôme caractéristique de système linéaire, bouclé à un gain K constant, en remplaçant K par le gain équivalent variable F facteur de E, notre appareil à nous est sensiblement différent. Ah bon? Eh oui! Comme vous l'avez sans doute remarqué, les fonctions composantes du vecteur V facteur de XT interviennent de façon linéaire dans l'expression des coefficients de P, facteur de pi XT. Hein? D'accord, je veux bien, mais vous n'ignorez pas qu'il existe toujours une base RQ dans laquelle A, facteur de XT, ou AT, facteur de XT, s'écrit sous une forme F de X de T, où chacun des N sous-systèmes diagonaux ont pour polynôme symbolique pi, tel que P, facteur de PXT, est égal à N-1 sur I égale 1, pi facteur de XP-PN, facteur de pi X et T. Non? Bien sûr, colonel, bien sûr. Il serait puéril de ma part de soutenir le contraire. Mais il n'empêche que si cette inégalité est vérifiée, pi par E racine carrée, la stabilité est asymptotique globale. Dans ce cas, on peut aborder l'aspect synthèse en supposant que le processus à réguler est constitué de la boucle ouverte. D par P facteur de pi plus pi sur N par P et qu'il faut déterminer le retour N par P, c'est-à-dire les racines pi, de façon à ce que toutes les matrices correspondent à des sous-systèmes asymptotiques stables. Seriez-vous en train de me laisser entendre, mon cher Otto, que la méthode utilisée par l'inventeur de cette machine est l'application stricte de l'algorithme linéaire? Exactement, colonel. Exactement. Il existe une base d'état dans laquelle la matrice du régime libre est en flèche mince, de même que le système. En clair, vous avez devant vous un réplicateur digital. Avec les lois? Et je vous parie l'apéro qu'à l'heure qu'il est, ils ont déjà découvert ce que c'est. Peut-être, grand maître, peut-être. Mais entre identifier un réplicateur digital avec les doigts et savoir s'en servir, il y a autant de chemin qu'entre la roche tarpéienne et la troisième roue de ma carriole. Anisette, vous m'avez déjà promis à maintes reprises de nous débarrasser de ce colonel de malheur. Et à chaque fois, ça a foiré. Je vous le dis une dernière fois. Trouvez-le, neutralisez-le et rapportez-moi ce réplicateur digital. Avec les doigts? Avec ce que vous voulez. Bien, grand maître. Ce sera fait, grand maître. À vos ordres, grand maître. T'inquiète pas, pauvre cabillaud. Attends un peu que je mette les doigts sur ce réplicateur. Et tu verras c'est qui.
le maître du monde. Vous voyez, juste derrière Aldébaran, eh ben c'est la galaxie du Mulet, là où se situent les 9 planètes. Alors, pas très accueillant, hein. Ah oui, 120 degrés l'hiver, moins 12 l'été, mais enfin, ils font du bon pinard là-bas. Ah, d'accord. On ira peut-être un jour, hein, mais là, on n'a pas le temps. Mais je voyais ça plus grand. Ah non, mais c'est la distance qui fait ça. En fait, c'est plus grand. Tiens, regardez plutôt là. Là, c'est Tubercule 340, hein, l'une des 230 lunes de Grignotard, la géante neigeuse. Aucun intérêt. Elle est où, la planète des maîtres du monde? Ah, ça, c'est beaucoup plus loin. C'est pas par là du tout, non, non, non. Au télémacroscope, on peut presque la voir, hein, lors du solstice de Brownouf, hein, quand les vents solaires viennent du dernier quadrant. Mais la plupart du temps, c'est même pas la peine d'essayer, hein, elle n'existe plus. Et c'est pour une planète qui n'existe plus que vous nous cassez les... que vous vous donnez tout ce mal au grand frisé? Ah, mais la légende fondatrice, c'est sacré, les filles. Vous comprendrez plus tard. Ouais, on comprendra, vous êtes sûrs? Si je vous le dis. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Me voilà enfin en vue de ce mystérieux îlot perdu dans l'immensité du Pacifique. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je suis ruinée, moi. J'en ai plein les pattes. Mais chef... Il suffit, Duplouc. Je ne tolérerai aucune excuse. Vous êtes tous les deux laissés mener en bateau. Que dis-je en bateau? En hors-bord. Vanessa? Oui, monsieur John? Prenez une lettre, Vanessa. Laquelle, monsieur John? Celle-ci. Je vous écoute, monsieur John. Ah, les humains. Les humains. Plus j'examine les mœurs de ces infimes créatures, et plus je me demande comment j'ai bien pu créer cette race étrange. C'était 10日に世界の名所となるテーマにどのはいにうば. Série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Python Bagel. Avec Taisa, Joséphine Baker, Reporter, Otaror, Otto, Pantamponese, Jean Seb, Furui Kani, Walter Proof, Chacha, Mademoiselle Bobby, Bibi, Abby Le Fanou.